Les différentes courses, bien entendu, on a commencé le 3 juillet avec ce kilomètre vertical entre Mersavel et l'Alpage du Sénépi. Un beau kilomètre vertical avec une belle victoire de Nicolas Martin et à la clé, le record de ce kilomètre vertical pour ce qui concerne le trail des passerelles du Ventoux. La journée d'après, on crée cette épreuve Mine Express qui avait pour principe d'associer deux personnes qu'ils allaient faire les 14 derniers kilomètres de l'épreuve reine de cette journée, l'épreuve du petit train. Notre traditionnelle épreuve du troisième poste, solo ou en relais, toujours un moment magique. Là, ils vont au musée, nous on paye pour un trail et on découvre le territoire. Finalement, c'est pareil. Ça fait vraiment plaisir de rendre hommage à tous ces gens qui ont travaillé ici. Les musées, c'est pas que à l'intérieur. Des fois, c'est dehors qu'il faut aller pour les voir. Là, c'est pour fêter, bien entendu, le passé minier du plateau Mathézin pour relier Prunière à la mode Aveillon en passant par Suville. La préparation a été un peu tronquée, donc c'est difficile. La descente, elle était comme ça. Enfin, vraiment. Et après, on a basculé ici, à Tréfort. Nous sommes aujourd'hui pour clôturer ce rendez-vous. Vendredi, on a fait les courses des enfants. Concernant les bénévoles, ils sont là. Je peux que m'en féliciter et vraiment les remercier. Hier, nous avons eu le trail de Côte-Rouge le matin avec 25 km. L'organisation, vraiment au top. Ah, c'est trop fort. Ah, j'adore. Ah, j'ai pu. Merci, Trail des Passerelles. Merci. Moi, je viens du sud, donc j'ai un peu l'acclimatation déjà facile. On peut pas rêver mieux, en fait, le parcours. Je suis vraiment content d'avoir fait le déplacement. Je viens de la Nièvre, c'est vraiment top. Et puis, le trail de l'Hébron, 16 km. Allez, d'ici une minute, il va être avec nous, le Florian Jumeau. Mon estier, une ambiance de folie. Pas déçu, non. Je reviendrai. Ça nous a tués, là. Mais c'était bien. On vient prendre de la côte, on vient prendre du plaisir, on vient s'amuser. Faire une belle course, prendre du plaisir et puis la journée sera belle quoi qu'il en soit. Il y a un bel enjeu au bout donc on va tester. Et puis aujourd'hui, les courses rennes avec les deux épreuves de la grande course qui est partie à 5h ce matin depuis la Mure, 65 km. L'épreuve du 40 km, le Maratrail. Et là, pareil, gros succès. On a devant les passerelles. On a devant les passerelles. L'autre particularité de cette édition 2021, c'est bien sûr ces épreuves qualificatives pour les championnats du monde.
Aujourd'hui, on revient à un trail des passerelles comme nous avions l'habitude de le vivre. Donc déjà, ça, c'est une énorme satisfaction.